Le projet de loi prévu pour faciliter l'expulsion des squatteurs de domicile, à l'initiative de la maire Natacha Bouchard, maire UMP de Calais, a été adopté mi-décembre au Sénat. Bien que certains amendements, comme l'article offrant le pouvoir au maire de se substituer aux propriétaires pour accélérer l'expulsion, aient été retirés, le projet de loi vise toujours à transformer toute tentative de squat d'immeubles, de lieux inoccupés, notamment des usines désaffectées, en violation de domicile. Il est clair que la maire de Calais veut faire la peau avant tout au squat de sa ville, qu'elle considère comme, selon elle, un véritable fléau, et notamment une facilité pour expulser les migrants sur le territoire français. L'association Droit au logement dénonce sévèrement cette proposition de loi et accuse l'UMP de préférer voir mourir des humains dans la rue ou de vivre dans la misère, alors que nos villes regorgent de logements vides.